Et salut à tous, aujourd'hui c'est Zorbama et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc sur Kirby et le monde oublié. En fait, ils ont sorti pas mal de codes. Donc pour rappel, donc à la petite messagerie, en fait, il faudra juste débloquer 50 World of 10. Et donc ça fait à peu près atteindre le deuxième monde et compléter le premier niveau pour à peu près atteindre les 50. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir voir ce petit bonhomme qui est là et lui rentrer les codes. Donc là, ça va être ça en deux parties. Il y aura les codes qui seront à durée limitée et les codes donc sans durée limitée. Donc le premier qu'on avait vu, c'était Force Password. Donc celui-ci, je ne sais plus ce qu'il vous avait donné. Mais en gros, ça c'est celui qui vont vous faire, donc ça je peux pas vous le donner en fait, c'est celui qui vont faire dès le début pour vous apprendre pour les mots de passe. Ensuite on avait vu, donc on avait fait le Mouse Full Mode, alors puisque je mets tout en majuscule, Mouse Full Mode. Donc ça moi j'ai déjà fait, en fait ça va vous donner 100 pièces étoiles. Et ça va vous donner un gâteau voiture transmorphé, qui permettra d'avoir de la vie. Donc ça, ce code-là sera disponible jusqu'au 25 avril. Donc pour ça, je vais sortir la vidéo assez vite pour que vous puissiez en profiter le plus rapidement possible. Donc ça, ça avait été distribué sur Twitter par Nintendo. Enfin, par Nintendo, mais moi j'avais vu sur Twitter, après je sais pas s'il avait été partagé ailleurs. Ensuite, nous avons comme mot de passe le... alors celui-là je l'ai pas fait. Ça c'est le Kirby News Desk. Donc ça c'était distribué sur la section à la une de la Nintendo Switch. Au cas où vous l'avez raté. Donc là ça va vous donner 150 pièces étoiles et ça va aussi vous donner une boisson énergisante. Ah, t'es obligé de récupérer le cadeau à chaque fois. Hop. Ah, du coup, j'ai le choix. J'espère que ça va pas le perdre. Alors, donc celui-là aussi il sera valable jusqu'au 25 avril. Là, on a un autre code qui lui va être disponible jusqu'au 10 juin, donc 2022. Donc celui-ci, on pouvait le trouver en allant sur le site officiel de Kirby. En fait, il y avait 5 objets à trouver. Et en fait, ça vous donnait ce code-là. Donc, le code, c'est Kirby Micro Site, ou site, pour le dire en français. Donc ça, ça vous donnait 150 pièces étoiles et une attaque plus. Donc lui, vous avez jusqu'à 10 juin pour l'utiliser. Là maintenant, on va passer aux autres codes. Donc eux qui n'ont aucune... Ah merde, ça l'a perdu du coup. J'y ai plus ma voiture. Donc ça va donner d'autres codes. Alors il y en a un. Je sais pas si ça va me le valider. Parce que la condition... de déblocage... Ah non, c'est bon, ça va aider, pas besoin. En fait, il m'était finir la démo à 100%, en fait, ça a donné ce code... Enfin, si. En fait, il fallait finir le jeu à 100%, et ça a donné ce code-là. Donc c'est clear démo. Donc lui est pas mal.
Parce que ça nous donne 300 pièces étoiles. Alors, a priori, ça devait donner une gemme rare. Attends, je revérifie juste le code. Ah, pardon, c'est trop embêté. C'est celui d'après qui donne une gemme rare. Donc là, pareil, c'était finir la démo à 100%. Donc là, le code pour celui-ci, c'est New Adventure. Donc, comme ceci. N-U-W-T-E-N-T. Tac. Voilà. Petite gemme rare en plus, c'est pas dégueu. Les petites pièces. Alors après ça, vous allez le faire dès le début. Je vais quand même redonner au cas où. Donc c'est le first password qui lui donnait 300 pièces étoiles. Donc, qu'il faudra écrire comme ceci. Là, bon, lui, je l'ai déjà utilisé, donc ça sert à rien que je le refasse. Ensuite, nous avons un code. Qui est sur le toit du guichet du bundle commentateur. Alors. Si je ne me trompe pas. Voilà, il faudra le trouver ici. Alors si... S'il veut bien le mettre. Voilà, merci. Donc c'est Bowling. Brawling. Coliseum. Donc lui, je vais vous le noter. Hop. C'est quand même bien de vous montrer, on peut le trouver. Donc le code en question. Donc, Brawling. Donc, Colosseum. Colosseum, non. Colosseum. Donc, lui va nous donner 300 pièces étoiles et une attaque plus. J'en ai déjà un. Maintenant, il y en a un autre qu'il va falloir récupérer ici. Alors, sur le mur. Attendez, que je le retrouve. Pourquoi il me fait pas examiner là? Alors normalement il est censé être sur ce mur là, mur à droite. Bah bon, je vais vous le donner comme ça va aller vite dans la vidéo. Donc là c'est Thank You Metaknight. Ça c'est le code que j'ai envie d'avoir parce que vous allez voir une chose merveilleuse. Donc 5. You Meta
Knight. Donc comme ça. Ce code là va juste vous donner 3 gemmes rares. Juste. Ah, une figurine spéciale en plus. Ah, c'est sûrement parce que j'ai fait pas mal de code avec lui là. Hop. Ça va me le faire sur les 3. Alors ensuite il y en a un qu'on doit pouvoir récupérer sur le toit, bah là en fait. Kirby the Gourmet. Pas le prononcer à la française. Je veux dire the gourmet. Hein. Hop. Ah. Donc là, une voiture et bien sûr une gemme rare. Donc là, juste avec les codes, on en a récupéré 5. Et c'est pas fini. Bon, après là, il y en a un autre, on peut le récupérer à l'intérieur du cinéma. Et du coup, ce code là, c'est Kirby Story. Merci. J'ai mis un U. Je l'ai pas vu. J'ai été trop vite. Tac. Donc comme ça. Bon, lui, il va nous donner 300 pièces. Ensuite, nous avons un code qui peut être récupéré derrière la statue d'or de Kirby, qu'on n'a pas encore. Mais c'est pas grave. Bon, celui-ci, après le thank you Meta Knight, on a le thank you Kirby. Qui va nous donner, je vous laisse deviner, encore une gemme rare. Et 1000 pièces, ce qui est pas dégueu. Hop. Hop. Alors maintenant, c'est des tests de code. Normalement, ça c'est des codes qui ont été distribués par des enseignes et sont censés passer. Donc on a le Kirby GameStop Cannes.
Donc qui a été donné par... Enfin, qui a été distribué du coup par GameStop Canada. Hop. Un petit code qui va nous donner quand même 150 pièces étoiles et puis une Maxine Tomate. Donc c'est pas négligeable. Ah, moi je vous les montre tous, mais utilisez-les par parcimonie, on va dire. Entre guillemets. En gros, mettez soit en avant où vous avez besoin de gemmes rares. Soit vous pouvez claquer comme vous voulez. Et après, tout ce qui va être par contre avec les aliments ou les boosts et tout ça. À la limite, gardez-les. Donc là, après, on a le. Game News, donc lui il a été distribué dans la section à la une aussi de la Nintendo Switch. Donc lui il va me donner une gemme rare. Donc là juste avec les codes on s'est quand même fait 7 gemmes rares. Hein. Donc en gros un objet où vous avez besoin de 3, bah vous en faites 3. Vous en faites 2. Pardon. Et un objet à 2, bah genre vous faites 3 objets sans trop vous prendre la tête quoi. Donc ça c'est cool. Alors après, on a aussi. Parce que c'est pas fini. Parce qu'en fait on va pas finir avec 7 gemmes, sinon c'est pas assez. C'est pas drôle. Alors ça c'était un. Ça c'est un code du coup qui a été distribué donc dans des guides de jeu. Qui semble avoir été mis à disposition en Amérique du Nord. Donc c'est Adventure Guide. Je vais juste le laisser là que je vois le cadeau. Parce que j'ai tapé un peu vite. J'ai appuyé sur A sans trop attendre. Voilà. Ce code là et ça vous donne une gemme rare encore. Donc ça nous fait 8 gemmes. Donc quand vous débutez le jeu, ça vous fait quand même une amélioration de 4 objets. Enfin, vous améliorez 4 objets au niveau 2. Donc ça c'est cool. Et puis vers la fin, bah, ça vous permet déjà d'améliorer 2 objets. Et puis à la limite, s'il y en a un qui n'a pas été amélioré au niveau 2, vous pouvez le faire tranquille quoi. Il vous restera 2 gemmes quoi. Et le dernier code, du coup, c'est le Kirby Adventure Kali. Alors ça, j'ai regardé sur plusieurs sites. Personne sait vraiment d'où vient ce code, où est-ce qu'il a été distribué et tout, mais c'est un code fonctionnel. Et on en a fini avec les codes. Juste à l'ouvrir. Donc celui-là va vous donner 300 pièces et va vous donner 4 aliments. Il va s'empresser de manger goulûment. Voilà, donc voilà tout ce qu'on pouvait attraper avec les codes. Donc à la limite, je vous mettrai sûrement les codes dans la description pour vous la retrouver avec ce qui permet de récupérer. Comme ça, vous aurez tout à portée de main. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.